Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo retour de course. Comme vous voyez, cette vidéo risque d'être un peu longue, donc prenez des pop-corn ou du thé, des petits biscuits, asseyez-vous. Et moi je vous présente mon retour de course, bisous. C'est parti, donc là j'ai de la salade. Hop, voilà. Là. J'ai des kiwis, j'ai 1 kg de kiwis. Là, j'ai ma confiture de fraises. J'ai du gingembre. J'ai des poivrons multicouleurs, donc il y a le jaune, le vert et le rouge. Ici, j'ai des maïs. Là, les tomates. Là, j'ai du citron. Là, j'ai des pommes golden. Et j'ai de l'eau de banane. Voilà, mon aubergine. La courgette, je crois que je vous ai déjà montré. Les carottes. Et là, des mandarines. Un peu de mandarines. Bon, on va passer à tout ce qui est produits frais. Donc, dans les produits frais, je vais avoir de la guindas au spéculoos. Donc j'ai ça, des petites noix au chocolat. Donc il y en a 12 à l'intérieur. J'ai du beurre demi-sel. Encore du beurre président, mais la doux. J'ai des boursins comme ça. Voilà. Ici. J'ai des fromages pour hamburger. J'ai de l'Activia. Hop, voilà, voilà. Maminova. Donc, c'est des yaourts au sucre de canne. Du fromage râpé. On continue dans le frais. Tellement de choses que ça tombe. Là, de l'épaule cuite. J'en ai pris 2 paquets. Hop. J'ai des saucissons de Strasbourg. J'en ai pris juste 1 paquet. Et j'ai pris 10 boîtes de lardons. Sachant qu'il y en a, on a 2 comme ça, donc ça me fait 20. 20 boîtes, mais j'ai pris 10 lots comme ça. 5 lots. Oh là là, qu'est-ce que je vous raconte? Donc, j'ai pris 5 lots. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième. Le voilà. Hop. Je mets ça de côté pour faire un peu de place. Voilà. Et on continue toujours avec les frais. Donc j'ai de la mascarpone. J'en ai pris 2. Donc celle-là, c'est la mascarpone. C'est combien de grammes ça? 500 grammes. Et j'en ai pris une plus petite de 250 grammes. J'ai de la vache kiri. Et là, j'ai des compotes. Banane. Pomme banane, et j'en ai pris 4 lots. 1, 2, 3, 4. 4 lots. J'ai pris
J'ai pris comme ça 3 crèmes fraîches. Donc, c'est les 190, c'est des toutes petites et j'en ai pris 3. Voilà, voilà. Et après, j'ai pris des Babybel. Donc, c'est le lot de 6, hein. De Babybel. J'ai pris de la rosette. J'ai pris 2 tartiflettes. J'ai pris du plantafin, du beurre plantafin. Donc celui-là, ça doit être 510 grammes. Et après, on va continuer dans le frais pour finir avec ça. J'ai pris de la pâte à pizza, j'en ai pris 2. Voilà, j'en ai pris 2. De la pâte feuilletée comme ça, j'en ai pris 4. 3 et 4. De la pâte feuilletée plus épaisse de la marque Artal, j'en ai pris 2 pour faire la galette des rois. Et j'ai pris en pâte Erta, la pâte sablée, j'en ai pris 2 aussi. Voilà. Bon. Donc là, je vais vous montrer aussi ça. J'ai pris de l'huile. Donc l'huile, je prends toujours le grand, donc c'est 3 litres d'huile. On en est pas mal et qu'on prépare pas mal aussi. J'ai pris du Nesquik, donc 1 kg de Nesquik. Voilà. Là-bas, j'ai pris des œufs, il y en a 30, un pack de 30 œufs. J'ai pris des morceaux de thon et il y a deux boîtes de morceaux de thon. Donc voilà. J'ai pris de l'amande en poudre, donc comme je vous ai dit, pour faire la galette des rois avec la pâte feuilletée. Donc j'ai la fève à l'intérieur, c'est un lot qu'ils ont fait. Pour faire les galettes des rois. Donc j'ai la fève et la couronne derrière. Voilà, voilà. J'ai pris des chips saveur barbecue. On a 6 à l'intérieur. J'ai pris des pépitos. J'en ai pris 2 lots. 2 lots de pépitos. Donc, il y a du salami, de la rosette, et là, j'ai pris 2 packs comme ça de lait demi-crémé. Là, il y en a un seul parce que sinon ça pèse trop sur la table, mais j'en ai pris 2 packs. J'ai pris 2 packs aussi de steak haché en coco. Hop, deuxième. Et en gâteau, pour continuer, j'ai des palmes. J'en ai pris 2 paquets. J'ai pris du sucre roux de canne. 2 paquets de spéculoos. J'en ai pris 2 paquets. Là, j'ai des spaghettis de 500 grammes. J'en ai pris aussi 2. Là, j'ai pris des petits pains. J'en ai pris 1.
1, 2 et 3 sacs de petits pains. Là, j'ai pris des pétales aux crevettes chinois. Donc, j'en ai pris 2 aussi. Voilà. Hop. Là, pareil. J'ai des pâtes. Des favelas. Donc, ça, c'est aussi 1 kilo. J'ai pris 2 sacs de 1 kg de frites classiques. Voilà, on a pris un et le deuxième il est là. Hop. Ici, j'ai pris du jus d'ananas éco, des Kellogg's de 620 grammes de trésor. Là, j'ai pris ça et c'est 1 litre. Hop. Et là, j'ai pris 2 farines. 55, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris aussi ça. J'en ai pris 2 comme ça. 2 comme ça. Du pain d'hamburger brioché. J'en ai pris 2 aussi. Donc j'ai pris encore d'autres pains d'hamburger, d'autres pains de mie. J'en ai pris 2. Enfin, les enfants, ils aiment le pain de mie, hein, donc il y en a beaucoup. Là, j'ai pris un autre sac de pain de mie. Là, il y en a 32 dedans. Et j'ai aussi pris du pain comme ça. Voilà. J'en ai pris 2. Là, voilà. J'ai pris ça aussi, du pain complet pour faire les sandwichs. Quand j'ai pas le temps de faire à manger, j'en ai pris aussi 2. Donc là, la farine est venir. J'ai de la mayonnaise. De la crème, de la lessive, du liquide vaisselle, du produit Destock, je le mets tous les mois dans mes canalisations pour éviter que ça bouche, de l'eau de Javel, de la pâte dentifrice, du déo pour mon fils, un petit parfum pour mon fils aussi, et là le parfum pour ma grande fille. Je sais pas si je vous l'ai montré. Donc là, j'ai du céréal pour mon fils. Le dernier, il aime bien prendre ça le matin. Donc voilà. Donc, on a fait le tour de tout. J'espère que ça vous a donné des idées pour vos courses, vos prochaines courses. Je vais me presser de tout ranger comme il y a des produits frais. Et juste à la fin de la vidéo, ne partez pas, je vous mets une idée de ce que nous on mange ce soir avec quelques ingrédients de ce que j'ai pris en course. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, donc là je vous retrouve pour une nouvelle recette. Donc là je vais faire des hamburgers au thon. Donc c'est l'idéal pour les personnes qui ne mangent pas du tout de viande. Donc c'est
des hamburgers au thon. Donc pour cela, j'ai mis, pour deux personnes, j'ai mis 3 œufs à cuire. J'ai pris des allumettes. J'aime pas trop les grosses frites, j'aime bien les allumettes. J'aime bien parce que c'est tout fin. Donc je laisse les allumettes cuire. Donc les œufs cuits et que les frites cuites, on va passer à la préparation des hamburgers au thon. Pour cela, on aura besoin, pour deux personnes, des pains d'hamburger. Moi, j'ai pris des pains d'hamburger briochés parce que c'est un meilleur goût pour ce que je veux faire. Voilà, il y en a deux à l'intérieur, pour deux personnes. Hein. Hop, deux comme ça. La tomate, je prends juste la moitié d'une tomate. Je mets tout le pot, enfin la boîte de sardines. C'est sardines à l'huile de tournesol, Marquico, donc Leclerc. Je prends juste un quart de poivron jaune. Un quart aussi de poivron. La moitié de l'oignon. Une gousse d'ail râpée. Donc je dis bien râpée pour ne pas avoir des morceaux dedans. Donc je commence à découper déjà tout cela et après je vous reprends. Donc là on va ouvrir notre sardine. La sardine, je la mets avec l'huile, comme ça ça sert un peu de sauce aussi. Donc on a dit qu'on prenait la moitié de la tomate. On va enlever cette partie-là. Et ça, on va découper tout cela. On prend juste un quart du poivron rouge. Quand on n'a pas le temps, quand on est fatigué le soir, c'est l'idéal. Et là, on passe au poivron jaune. Pareil, on coupe ça tout finement. Passer à l'oignon, je vais directement le couper en deux pour ne pas avoir à éplucher tout pour rien. On mélange le tout là-dedans. Et on passe à l'ail. Là, on va rajouter notre mayonnaise. Normalement, c'est 3 cuillères, 3 à 4 cuillères de mayonnaise, de cuillère à café de mayonnaise. Un peu comme ça de poivre. Pour mettre beaucoup, ça sert à rien. Un peu de poivre et un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Et là, je vais prendre mes œufs pour les rajouter à l'intérieur. Donc là, on va rajouter nos 3 œufs. On va juste passer au montage. Et avant de les mettre dans nos hamburgers briochés, je les passer 30 secondes au micro-ondes pour les chauffer un petit peu. Là, je les ai chauffés 30 secondes. On va juste les ouvrir. Pour garnir, je vais commencer par la mâche, déjà lavée. Un petit peu de mâche. On met notre préparation. Voilà. Et il n'y a plus qu'à refermer. Donc je passe au dressage et je vous filme le tout dans quelques secondes. Je vais mettre mes frites à le mettre là-dedans. Je vais placer là
hamburger que je veux piquer d'une pique comme ça pour que ça parte pas dans tous les sens. Voilà. Et voilà, ça donne ça. Donc pour finaliser le tout, je prends des petites fourchettes comme ça pour les frites. L'ansara pour ne pas les tenir. Et donc là, pour accompagner le tout, je prends des petits bateaux comme ça, en bambou, que je vais mettre mon dessert. Donc le dessert, ça va pas être très compliqué. Ça va juste être une banane que je vais découper à l'intérieur. Voilà, une demi-banane chacun, c'est parfait. Donc voilà. Voilà, c'est fini. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini de dresser hors caméra. Donc on a bien nos frites. Nos frites almettes. Là, j'ai mis le reste de la petite mixture qu'on a fait. Notre salade enfin, nos petites bananes coupées là pour le dessert. Donc voilà, ça donne ça pour la fin. Je vous souhaite un bon appétit à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.